Je suis à l'espace Charenton pendant la période de cette réunion de la revue Partage et j'en profite pour vous présenter mes réflexions récentes sur le livre d'Ézéchiel et son rapport avec le chapitre 2 de la Genèse, rapport qu'on n'a peut-être pas fait jusqu'à présent. Je me suis intéressé depuis très longtemps au livre d'Ézéchiel, qui comporte notamment le tétramorphe, savoir une vision qui apparaît d'ailleurs dès le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, mais qui apparaît par la suite aussi, avec quelques variantes. Cette vision qui comporte quatre êtres vivants, qu'on appelle Hayot en hébreu, le mot Chaim qui vient de la vie, le lion, le harié en hébreu, le bœuf, le chor, l'aigle, le nécher, et l'homme, Adam. On retrouve ces quatre personnages autour des quatre évangélistes. On le retrouve également dans l'arcane 21 du monde, avec au centre un personnage justement qui est intéressant et qui pose un problème parce que ces quatre personnages, à mon avis, ils sont présentés à Adam. Et donc Adam, c'est le personnage central dans l'arcane majeur du monde. C'est lorsque Dieu, qu'on appelle d'ailleurs dans ce chapitre Yahvé Elohim, de manière assez étrange, on en reviendra tout à l'heure, lorsque Dieu se rend compte, enfin, estime que Adam est seul, l'évade, il propose de lui offrir une Ezer Kenegdo, c'est-à-dire une aide qui lui soit attachée, une sorte de aide de camp, on peut dire, d'assistant. Et c'est à ce moment-là que il fait défiler devant Adam une bête sauvage, ou des bêtes sauvages, un oiseau. Et puis finalement, on lui propose un être humain, humanoïde, mais cette fois-ci, il sera, comme dirait Adam lui-même, sorti de la chair d'Adam. Alors, il manque dans ce chapitre 2 de la Genèse, il manque le bœuf. On peut trouver le lion dans l'évocation des bêtes féroces, on peut trouver l'aigle dans l'évocation des oiseaux, et on peut trouver la femme, Isha, dans l'évocation de l'être humain qui sort de la côte d'Adam. La vision d'Ézéchiel est erronée dans la mesure où on appelle une des quatre faces, un des quatre personnages du tétramorphe, on l'appelle Adam, alors que visiblement Adam, c'est un personnage qui est au centre du système et qui n'est pas un des personnages du système. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la périphérie des quatre personnages, il est le personnage central, comme on le voit dans le monde. Alors, ce qui est intéressant, le commentaire que je proposerai à ce sujet, c'est d'une part, on peut se demander si le chapitre 2 de la Genèse n'est pas inspiré du livre d'Ézéchiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Ézéchiel, sur le plus tardif ? Non, on sait très bien que la Genèse a été rédigée tardivement, de toute façon. Et apparemment, le livre d'Ézéchiel est plus cohérent, plus complet sur ce plan-là que le chapitre 2 de la Genèse. Rappelons aussi, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, que ce livre 2 est tout à fait atypique dans la mesure où on ne parle pas d'Elohim comme dans le chapitre 1 et comme dans le chapitre 5, 6, etc. On dit Yahvé Elohim. Or ce personnage de Yahvé, il n'apparaît que avec l'alliance avec Noé et puis ensuite
Yahvé Elohim, c'est une formule qu'on trouve nulle part ailleurs. On trouvera dans l'Exode Yahvé Elohecha ou Eloheinu, Adonai Eloheinu Elohecha, mais on ne trouve pas Elohim tout court. Ce n'est pas Elohim en général, c'est un certain Elohim, donc c'est un possessif. Le Elohecha, ton Dieu, ton Elohim, on peut dire, ou Eloheinu, notre Elohim. Et notre Elohim, ça veut dire que c'est pas le seul Elohim qui existe. D'ailleurs, dans le commandement, il est dit que quand Dieu s'adresse au peuple hébreu, il dit tu n'invoqueras pas, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Donc, c'est pas le seul Dieu. Et quand Yahvé se définit, il dit je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et c'est pas n'importe quel Dieu non plus. C'est un Dieu qui a un certain peuple. Il y a un peuple qui a un certain Dieu. Donc, on peut se demander si ce chapitre n'a pas été donc interpolé, rajouté. D'autant plus que, étrangement, le chapitre 5 de la Genèse parle de Seth, et là, on ne parle pas d'une naissance à laquelle aurait contribué la Isha, qui est offerte à l'homme, et qui est la création, qui n'est pas la création de Dieu directement à partir de la poussière comme les autres animaux, mais une création par le truchement de l'homme, ce qui est assez paradoxal, puisque dans d'autres cas, on verra, par exemple avec la naissance de Jésus, que les dieux se servent de la femme pour faire fabriquer un homme, alors que là, il s'agit au contraire de Dieu qui se sert de l'homme pour fabriquer la femme. Qui pour moi est un clone ici. Et à ce sujet, donc, pour moi, le chapitre 2 ne met pas du tout fin à l'androgyne. C'est-à-dire que la femme n'est pas androgyne. C'est au premier chapitre, c'est Adam qui est androgyne. Et il n'y a pas la fin de l'androgyne avec Adam. Il y a une addition, ce qu'on appelle le troisième facteur, le facteur neutre, qui est la Isha. Isha, qui signifie ici, dans le contexte du deuxième chapitre, simplement l'être qui a été tiré de Ish. Puisque finalement, ce n'est pas un être séparé, différent d'Adam, c'est quelque chose qui vient de lui, qui sort de lui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce chapitre 2 de la Genèse, il faut peut-être d'ailleurs y ajouter aussi le chapitre 3, est un chapitre qui n'est pas à sa place, puis qui pourrait faire suite à la naissance de Seth, parce que Adam engendre d'abord Seth, on y est dit dans le chapitre 5, Dieu créa Adam à son image et à sa ressemblance, et Adam créa et engendra Seth, il n'y a pas question du tout d'une femme, parce que c'est un processus androgyne et capable de générer par lui-même, pas besoin d'une femme pour cela. Bon, avec la décision de Dieu par la suite, Adam préférera se décharger sur la femme de la lourde tâche de porter l'enfant. Mais il ne renonce pas pour autant à son androgyne, puisque l'androgyne n'est pas uniquement une question de faire un enfant ou pas. C'est tout un processus psychologique, une dialectique masculin-féminin qui est en l'homme lui-même. L'androgyne est à la fois masculin-féminin. Et c'est cette dialectique masculin-féminin qui fait le génie, qui fait la création. La femme n'a pas cette dialectique de masculin et féminin, et par conséquent elle n'a pas cette grâce, cette potentialité du génie. Nous avons de nombreux exemples de rédactions qui sont reprises ou décalquées sur des textes plus tardifs, soi-disant. Et vous savez qu'une de mes marottes, c'est de montrer que les textes soi-disant tardifs, les textes tardifs sont antidatés. C'est-à-dire sont mis, ont été rédigés tardivement, mais on les met en premier rang pour faire croire qu'ils sont beaucoup plus anciens qu'ils ne le sont réellement. Autrement dit, on retrouve d'ailleurs Ézéchiel dans le Sphinx. Le Sphinx grec comporte également les quatre parties du tétramorphe, la tête humaine, les ailes de l'aigle, le corps du taureau,
du bœuf et les pattes du lion. Donc, ce sont les quatre signes fixes entrés en astrologie, si ce n'est que l'aigle est remplacé par le scorpion. Et c'est également les quatre constellations comportant des étoiles fixes royales. Le taureau comporte l'étoile fixe Aldébaran, le lion comporte l'étoile fixe Régulus, le scorpion l'aigle, je renvoie aux travaux de, notamment de Alexandre Tolkien, le symbolisme de l'aigle, comportant l'étoile fixe Antarès, et le Verseau, l'homme, comportant l'étoile fixe Pomalo, parce que la constellation du Verseau se prolonge dans la constellation du Poisson. Et effectivement, le Pomalo est une étoile de la constellation du Poisson austral, je crois. Donc, voyez-vous, ces quatre signes-là sont très importants, et surtout, il faut bien comprendre que leur présence dans le zodiaque n'a rien à voir avec le signe des saisons. Le signe des saisons, le zodiaque est constitué à la fois du signe des saisons, mais également il est articulé sur les quatre signes fixes qui relèvent d'une autre problématique que l'on peut assez facilement définir, c'est-à-dire ce sont des êtres qui font partie de l'environnement humain. Alors on sait bien que c'est le bœuf que l'homme a su apprivoiser et qui a été mis à son service, tout comme d'ailleurs la femme, alors que l'aigle et le lion sont des animaux qui sont restés sauvages et qui n'a pas su apprivoiser ni imiter, puisque finalement l'homme n'est pas arrivé à voler, même si le mot avion vient de nous renvoyer au mot avis, qui veut dire l'oiseau en grec, en latin. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc, il faut lire le chapitre 2 de la Genèse en même temps que le chapitre 1er et un autre chapitre que je n'ai pas le numéro dans la tête du livre du prophète Ézéchiel.